Salut à tous, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les gens utilisent le chat comme chat de combat. Bah, je vais vous parler les chats de combat. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais vous parler de l'article que là je vous ai présenté juste avant. Maintenant, place à l'explication. Alors, c'est un labrador qui a été trouvé, parce qu'il a été abandonné, à un chiot, et il allait être euthanasié, il a été sur la liste des chats euthanasiés pour l'année 2017. Et là, ils ont remarqué que, heureusement, grâce à des bénévoles, ils ont remarqué que ce chat-là, le labrador, il avait affaire hors du commun. C'est-à-dire plus précisément qu'il aurait pu servir pour chat de police quand, s'il passait en formation. Parce qu'il trouvait des choses cachées juste avec son flair. Et c'est par là, bah, grâce à ça, que le chat a pu être sauvé. Et tant mieux, au moins, ça fait un chat qui servira à la police pour des enquêtes ou quoi que ce soit. Et maintenant, je vais vous parler des chats de combat. Alors, les gens qui utilisent l'American Staff, le Dog Argentin, et plein d'autres races qui comportent bah, les molosses. Et bah, ces gens-là, bah, c'est des gens que ils font une pression physique et mentale sur le chat, physique parce qu'ils l'entraînent à attaquer, ils lui donnent pas à manger, ça c'est pour attaquer le mental, ils lui donnent pas à manger, comme ça le chat va devenir de plus en plus agressif. Pour justement avoir à manger, et c'est pour ça que le chat va, pendant les combats comme ça, il va aller même jusqu'à tuer l'autre chat. Et justement physique, ils leur font tirer des poids, et vous allez sur YouTube justement et vous pouvez voir des vidéos comme ça où il y a un homme, on ne voit pas son visage, il donne de la protéine musculaire pour ses chats. Bien sûr, c'est pas naturel les muscles que le chat a en se promenant au corps. C'est justement en prenant cette protéine dans les croquettes et tout. Et franchement, moi je trouve que c'est dangereux pour le chat parce que c'est pas quelque chose de naturel. Et à la base, le chat c'est un carnivore. Il est pas là pour se doper avec des produits comme ça, musculaires. Et mental, bien sûr, en les laissant enchaîner à piquer ou dans un enclos, dans une cage. On peut mettre un chat dans un enclos, mais le faire sortir régulièrement. Ou le laisser pour la nuit, parce que le chat a l'habitude de vivre en extérieur. Et la journée, bah, vous le laissez sortir et vous le rentrez dans la maison. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir les vidéos que je vous ai parlé sur les chats de combat. Vous verrez, c'est choquant. À certains moments, vous allez dire, ces gens-là sont inhumains. Mais abonnez-vous, likez et suivez-moi sur Twitter, Facebook, Google, YouTube, bien sûr. Partagez, likez et n'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. A plus, c'était Apprenti Dog.